Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé de l'exercice 1, Bac ES, Métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 1. Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis au millième près. Question 1. Un supermarché dispose de plusieurs caisses. Un client qui se présente à une caisse doit attendre un certain temps T1 avant d'être pris en charge par le caissier. On considère que ce temps d'attente T1 exprimé en minutes est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0-12. Question 1A. Quelle est la probabilité qu'un client attende au moins 5 minutes avant d'être pris en charge? Question 2. Le gérant du magasin décide de mettre à disposition des clients des caisses automatiques de façon à réduire le temps d'attente pour les clients ayant un panier contenant peu d'articles. Le temps d'attente T2, exprimé en minutes, à chacune de ces caisses automatiques est modélisé par une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 5 et d'écart type 1,5. Calculez la probabilité que le temps d'attente à une caisse automatique soit compris entre 0,75 minutes et 6 minutes. Question 3. Ces caisses automatiques tombent souvent en panne. On donne les informations suivantes. Le nombre de caisses automatiques est n égale à 10. La probabilité qu'une caisse automatique tombe en panne pendant une journée donnée est p égale à 0,1. Une panne constatée sur une caisse automatique n'influence pas les autres caisses automatiques. Soit x la variable aléatoire correspondant au nombre de caisses automatiques qui tombent en panne pendant une journée donnée. Question 3a. Quelle est la loi de probabilité suivie par x? Précisez ses paramètres. Question 3b. Calculez la probabilité pour qu'aucune caisse automatique ne tombe en panne pendant une journée donnée. Question 4. Sur la devanture de son magasin, le gérant du supermarché affiche « Plus de 90% de notre magasin sont satisfaits par la mise en place de nos caisses automatiques. » Une association de consommateurs souhaite examiner cette affirmation. Pour cela, elle réalise un sondage. 860 clients sont interrogés et 763 d'entre eux se disent satisfaits par la mise en place de ces caisses automatiques. Cela remet-il en question l'affirmation du gérant? Alors, loi uniforme, donc T1, donc ici, T1 suit la loi uniforme de paramètre 0,12, donc intervalle 0,12. Donc, question A, on peut calculer la probabilité qu'il attende moins de au moins 5 minutes, donc x supérieur à 5, supérieur ou égal à 5. Donc la probabilité que x soit compris entre 5 et 12. Donc ici, cette probabilité est donnée par 12 moins 5, 12 moins 0 sur 12 moins 0, donc 12 moins 5 sur 12 moins 0, c'est égal à 7 douzièmes. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, c'est égal à 7 douzièmes. Question 1b, alors le temps moyen d'attente, c'est l'espérance de T1. L'espérance de T1 est donnée par 12 plus 0 divisé par 2. 0 divisé par 2. 12 plus 0, 12 sur 2, ça donne 6. Donc l'espérance de T1 est égale à 6, donc le temps moyen d'attente à une caisse est de 6 minutes. Alors ici on a une loi normale de moyenne 5 et d'écart type 1,5, donc T2, loi normale de paramètres 5 et 1,5, espérance 5, d'écart type 1,5. Donc ici on va calculer la probabilité que x soit compris entre 0,75 et 6, alors que T2. Ici on va normaliser et centrer la variable aléatoire T2, probabilité T2 moins 5 sur 1,5. 0,75 moins 5 sur 1,5, inférieur ou égal à, 6 moins 5 sur 1,5. On va poser x, T2 moins 5 sur 1,5 et cette variable aléatoire suit la loi normale de paramètre 0,1.
Donc 0,75 sur 1,5, ça fait, donc après simplification, ça fait moins 17,6. 17 sur 6, inférieur ou égal à. Donc 1 sur 1,5, on multiplie par 4, on va trouver 4 sur 6. Et donc ça, à la calculatrice, ici ça va faire 0,745. Et donc le temps d'attente, la probabilité que le temps d'attente à une caisse automatique soit compris entre 0,75 et 6 minutes est de 0,745. Alors question 3, donc on a x, la variable aléatoire correspondant au nombre de caisses automatiques tombant en panne pendant une journée donnée. Il y a x, donc question A, x suit la loi binomiale de paramètres n, p, donc binomiale de paramètres 10, 0, 1. Alors pourquoi on peut utiliser la loi binomiale? Parce que c'est une répétition de 10 épreuves identiques, identiques et indépendantes. Hein, l'affluence panne n'influence pas les autres caisses automatiques. Et donc maintenant, question B, calculer la probabilité qu'aucune tombe en panne, donc P de x égale à 0. P de x est égal à 0, eh bien c'est 10, combinaison 10, 0, 0,1 puissance 0, 0,9 puissance 10. Sachant que tomber en panne est un succès pour la loi binomiale, donc c'est nombre de succès et nombre d'échecs, bah c'est 10 moins 0. 10, 0, bah c'est 1 fois 1 fois 0,9 puissance 10. Et 0,9 puissance 10, c'est à peu près égal à 0,349. Donc la probabilité qu'aucune caisse automatique ne tombe en panne pendant une journée est de 0,349. Alors ici, on va utiliser un intervalle de fluctuation. On fait une hypothèse sur la proportion de clients satisfaits et on fait un sondage. Un sondage. Donc la fréquence observée, c'est 763 sur 860, c'est à peu près égal à 0,887. La probabilité est égale à 0,9. N est égal à 860. On peut vérifier que n supérieur à 30, n fois p supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5. N fois 1 moins p, c'est 860 fois 0,1 égale à 86. Donc, supérieur à 5, et bien entendu, 860 fois 0,9, et bien c'est 860 moins 86, c'est supérieur à 5. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc, l'intervalle de fluctuation, donc I, on va l'appeler I, 0,9 moins 1,96, au seuil de 95%, racine carrée de 0,9 fois 0,1 sur 860. 0,9 plus 1,96, racine carrée de 0,9. 9 fois 0,1 sur 860. On entre ça dans la calculatrice, on trouve 0, ici 0,880, 180, 0,920. Et on observe que la fréquence observée appartient à I. Donc, l'affirmation du gérant est vrai et valide. Et la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.